Le pape Saint-Pie X a condamné le modernisme dans une encyclique Pascendi Dominici Gregis qui date de 1907. Il a appelé cette hérésie le modernisme, comme s'il fallait en quelque sorte nommer l'erreur pour mieux l'évacuer. Mais cette appellation a beaucoup choqué à l'époque, parce que comment est-ce qu'on peut être contre le modernisme? Comment est-ce qu'on peut être contre cette évolution historique qui, évidemment, est d'abord celle des sociétés occidentales, et puis, à travers l'occidentalisation du monde, celle de l'ensemble de la planète? Enfin, être anti-moderniste, cela paraît donquichotesque, ridicule, à côté de la plaque. Et si c'est un pape qui nous demande d'être anti-moderniste, on se dit que il y a peut-être un petit problème. Le pape représentant la catholique, représentant l'universalité des chrétiens, c'est ce que veut dire le mot catholique, ne s'est-il pas commis dans un combat qui ne peut être ou qui ne pourrait être que marginal? C'est la question qu'on peut se poser. Alors le mot modernisme a beaucoup circulé à la fin du pontificat de Léon XIII, le prédécesseur de Saint-Pie X, pape de 1876 à 1903, et sous Saint-Pie X, donc, c'est Rome qui a repris cette appellation pour désigner, au fond, l'opposition pluricentenaire entre l'Église et le rationalisme moderne. Donc le modernisme, ce n'est pas l'évolution des sociétés. Le modernisme, c'est une hérésie intellectuelle, en quelque sorte. Le modernisme désigne le rationalisme intellectuel, déjà condamné par Pie IX dans le Syllabus, en particulier dans la proposition 15, hein, celui qui, par sa propre raison, entreprend de découvrir Dieu, selon Pie IX dans la proposition 15, ne peut pas arriver à terme. Il faut qu'il accepte de passer par la parole de Dieu pour arriver à terme. Donc il faut qu'il accepte la révélation qui lui est faite. Le rationalisme qui consiste finalement à réduire Dieu à nos catégories intellectuelles ne fonctionne pas. Alors, Pie X condamne le modernisme, mais c'est aussi assez compliqué. À travers le modernisme, il condamne deux courants assez différents. Et deux courants qui éclosent un peu partout en Europe, mais qui connaissent une fortune particulière en France. À travers d'abord un philosophe, le père Lucien Labertonnière, qui est donc un philosophe oratorien, membre de la Congrégation française de l'oratoire, connu pour sa liberté d'esprit. Donc d'une part, au père Labertonnière, on reproche une théorie de l'immanence vitale, donc cette idée que Dieu serait immanent à notre propre esprit, finalement. C'est la première condamnation. Et la seconde condamnation, qui a été beaucoup plus retenue, qui a été d'une certaine façon beaucoup plus importante, c'est à travers l'encyclique, et avant même l'encyclique d'ailleurs, dès 1903-1904, la condamnation de l'abbé Loisy, professeur d'écriture sainte à la Cato à Paris, à l'université catholique, à l'institut catholique, et qui, auquel il est reproché sa conception rationaliste de l'analyse des écritures. Je crois vraiment que si on cherche à se faire une idée générale et facile de ce qu'est le modernisme, on peut dire que le modernisme, c'est le rationalisme appliqué à la foi catholique. Peut-on être à la fois catholique et rationaliste? C'est au fond la grande question qui est posée.
C'est une question qui se pose toujours, parce que si vous prenez une religion qui, en ce moment, fait d'énormes progrès en France, comme l'islam, on peut dire que c'est aussi la question qui est posée à l'islam. Est-ce qu'on peut être musulman et rationaliste? Est-ce qu'on peut accepter la démarche typiquement occidentale de la nécessité d'une preuve et concilier cela avec la religion? A priori, ça n'est pas évident. Et le pape a donc pris parti de façon très forte en donnant le signal à travers donc l'encyclique Pascendi Dominici Gregis, donc en latin le troupeau du Seigneur tel qu'il doit être, tel qu'on doit le paître. Donc encyclique où le pape apparaît comme le chef du troupeau, encyclique où le pape apparaît avec des préoccupations pastorales, mais qui est en même temps une encyclique intellectuelle, rédigée en partie par de très grands théologiens de l'époque, comme le cardinal Billot, par exemple. Cette condamnation du modernisme, elle est à la fois pastorale, elle est prudentielle. C'est dangereux de vouloir concilier l'esprit moderne et la vieille foi catholique. Et en même temps, elle est sur le fond une condamnation comme je le disais, de l'immanence vitale et du rationalisme exégétique. Cette double condamnation a-t-elle été opérante? On peut se poser la question. Je dois dire que la dernière fois que j'ai rencontré Émile Poulain, qui était le grand spécialiste de l'histoire du modernisme, il m'a dit « Mais tout le monde est moderniste. On ne peut pas ne pas être moderniste. » Alors j'ai essayé de lui dire modestement que, quant à moi, je ne me sentais pas moderniste. Il n'a pas voulu entendre cette restriction. Et lui-même, donc en tant qu'historien, considère qu'il est impossible d'échapper au modernisme théologique en gardant la foi, en tout cas pour quelqu'un qui se pique un petit peu de comprendre ce à quoi il croit. Le modernisme touche au cœur, au fond, du dispositif catholique, au cœur de la proposition de la foi et de la manière dont la foi est proposée, puisqu'il s'attaque à la révélation. Et que disent les modernistes à propos de la révélation? Ils insistent sur la dimension intérieure de la révélation et ils considèrent la révélation historique comme un simple rappel, au fond, de ce que peut être la révélation intérieure. Dit comme ça, ça peut paraître un petit peu caricatural. En réalité, je crois vraiment qu'il y avait une lacune dans la théologie catholique à l'époque, et on n'avait pas assez interrogé certains textes très importants de l'Écriture sur la nature réelle de la révélation. Qu'est-ce que la révélation? Est-ce que la révélation, c'est simplement la parole du Christ à un moment donné de l'histoire et l'interprétation qu'en donnent de façon autorisée les apôtres? Est-ce que la révélation, c'est vraiment cela? Ou bien est-ce qu'on peut concevoir que la révélation déborde la révélation historique? Alors, si on prend le prologue de l'évangile de Saint Jean, qui est un texte vraiment important, Saint Jean nous dit, à propos du Verbe de Dieu, « Il était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. » Que signifie cet éclairage? Que signifie cette parole très catégorique? Tout homme venant en ce monde, non pas tout homme au cours de sa vie, mais tout homme venant en ce monde. Je crois vraiment, et
je le pense par exemple avec un certain nombre de théologiens augustiniens du XVIIe et du XVIIIe siècle, que chacun, quel que soit le lieu de sa naissance, quel que soit son parcours de vie postérieur, chacun reçoit un éclairage particulier de Dieu, et chacun reçoit la possibilité d'une foi naturelle en Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu ». Mais cette foi, ce n'est pas seulement la foi reçue historiquement du Christ, sinon il faudrait considérer que tous les hommes avant le Christ, qui n'ont pas la foi reçue du Christ par définition, ne peuvent pas plaire à Dieu. La foi, c'est quand même bien aussi une démarche intérieure. Et lorsqu'on assiste à des baptêmes d'adultes, c'est aussi cela qu'on constate. C'est-à-dire que la personne qui veut se faire baptiser, elle, bien sûr, elle va découvrir l'enseignement du Christ, elle va découvrir la parole de Dieu, mais fondamentalement, il y a déjà en elle quelque chose qui aspire à cela. La conversion, ça n'est pas le modèle Clovis uniforme, courbe-toi, fier sycambre, brûle ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé. C'est pas ça la conversion. La conversion en général, je ne parle pas du roi barbare, mais en général, c'est découvrir ce que l'on cherchait déjà. Ou, comme dit saint Augustin, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. Donc il y a cette lumière intérieure, et il était nécessaire, peut-être, que l'Église remette en valeur cette théologie de l'intériorité. À cet égard, je pense que un philosophe et un théologien de l'envergure du père Labertonnière a interrogé avec justesse son Église. Il l'a payé cher. Il l'a payé cher puisqu'il a été interdit de publication pendant... à partir je crois à partir de 1910 jusqu'à sa mort 25 ans plus tard. Mais il a continué à dire sa messe tous les jours. Il s'est soumis sans interrompre pour autant sa réflexion, et il me semble que il offre aujourd'hui à ceux qui veulent travailler ces textes, pas seulement ces textes, mais travailler cette question difficile de l'intériorité, il offre des pistes très importantes. Le deuxième aspect que tout à l'heure vous mettiez en avant, c'est l'aspect de la critique biblique. Alors, peut-on vis-à-vis de la critique biblique, agir comme le ferait n'importe quelle critique de n'importe quel livre? La réponse est forcément non, parce que la Bible, c'est la manifestation de Dieu sur la terre. La Bible, c'est la manifestation du surnaturel d'une manière ou d'une autre, et en particulier à travers le récit de miracles ou à travers... aussi des prophéties, en tout cas des données qui échappent à la raison pure, qui ne peuvent pas être explicables rationnellement. Alors, si vous faites une lecture rationaliste de la Bible, vous allez vous dire, eh bien, j'accepte, alors, prenons, c'est le cadre non, hein, c'est le cadre non à la fin du 19e siècle, prenons les récits de l'Écriture, purgeons-les de tout miracle et regardons l'enseignement du Christ comme un enseignement magnifique pour l'homme, parce qu'il apprend aux hommes à s'aimer les uns les autres, parce qu'il apprend aux hommes à manifester une vraie magnanimité dans l'humilité, etc. Enfin, peu importe, on peut beaucoup gloser sur l'enseignement moral de l'Évangile. De fait, aujourd'hui encore, c'est le seul. Et il est à peu près irréfutable, cet enseignement moral de l'Évangile. Mais, donc, Ernest Renan avait fait cette distinction entre l'enseignement moral du Christ et les miracles qui ont traversé sa vie. Mais comment la vie du Christ est-elle explicable sans les miracles? C'est presque impossible. Et c'est là où l'intervention d'un critique rationaliste dans le texte de l'Écriture... C'est massacre à la tronçonneuse, c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine,
c'est quelqu'un qui comprend rien. Si le Christ, si sa parole est venue jusqu'à nous, si l'événement Christ a été un événement absolument déterminant à l'époque et très rapidement, enfin les historiens aujourd'hui le montrent bien, il n'y a pas beaucoup de temps entre l'événement Christ et la christianisation et, ou même les hérésies qui apparaissent, en particulier l'hérésie d'Ocète, hein, cette hérésie qui dit que le Christ n'était pas en vrai un homme, mais juste une apparence d'homme. Bon. S'il y a eu toutes ces hérésies si vite, et s'il y a eu une telle révolution mentale si rapidement, c'est que le Christ a été présent et qu'il a manifesté l'autorité de sa parole à travers des miracles. Donc il me semble très difficile de prendre l'enseignement sans les miracles, pour résumer. Et à cet égard, le rationalisme biblique, tel qu'a essayé de l'incarner l'abbé Loisy, me semble impossible. Merci beaucoup de cette question précise et qui me semble décisive sur la différence entre modernisme, libéralisme catholique et progressisme. Le libéralisme catholique naît très tôt. Il naît au fond au début du XIXe siècle et il naît avec ceux qui considèrent la Révolution française, malgré ses excès, malgré l'athéisme proclamé de certains de ses suppôts les plus en vue, il la considère avec indulgence et il la considère comme une sorte de fatalité de l'époque. Donc, les libéraux catholiques vont très vite se grouper autour de la figure emblématique de l'abbé de Lamennais. L'abbé de Lamennais, un breton, qui a un parcours très étonnant, puisque il a d'abord été très proche de Joseph de Maistre, très proche de Bonald, très proche des catholiques dits intransigeants. Et il a défendu l'idée de tradition face à la mise en cause rationaliste du XVIIIe siècle, face à ces grimaçants rationalistes qui ont fleuri au XVIIIe siècle, Voltaire, le roi des grimaces, d'Holbach, d'Helvétius et d'autres. Les catholiques ont d'abord essayé de faire fond sur la tradition, sur l'idée que la raison ne pouvait pas tout dire comme ça, comme au matin du monde, parce qu'on n'était pas au matin du monde, et qu'il y avait une tradition riche, une transmission d'un héritage qui avait quelque chose de magnifique. C'est un peu la démarche de Chateaubriand dans le génie du christianisme, d'exalter la tradition esthétique du catholicisme. Et on peut dire qu'après Chateaubriand, tout le XIXe siècle catholique, plus ou moins, est traditionnaliste, jusqu'à Bonetti à la fin du XIXe siècle. Dans cette perspective, la démarche des papes est assez surprenante face aux traditionalistes qui disent « il n'y a pas que la raison, il y a la tradition ». Les papes disent « attention à ne pas se cornériser dans la tradition, à ne pas s'enfermer dans l'héritage ». Il faut aussi reconnaître que la raison humaine a une capacité, ici et maintenant, comme au matin du monde, à comprendre Dieu, à connaître Dieu. Et dans le Concile Vatican I, qui est un petit peu le fruit du doctrinal du XIXe siècle, le pape Pie IX et les évêques réunis insistent sur le fait qu'on peut connaître Dieu par la raison, et que donc il n'y a pas hostilité entre Dieu et la raison. On reconnaît bien l'esprit romain, c'est encore de nos jours la leçon du pape Benoît XVI, que d'insister sur cette absence d'hostilité entre la raison et la foi, ou la raison et la révélation. Mais
les traditionalistes sont aussi des catholiques très, très enracinés dans leur peuple, et en particulier pour les Français, des catholiques très marqués par l'événement révolutionnaire, très atteints par les convulsions sociales qui agitent la France à cette époque-là. Et au fond, si Lamennais, de traditionnaliste, devient à la fois socialiste et libéral, parce qu'à l'époque, c'est pas très très... c'est pas clairement opposé. C'est justement au nom, je pense, de cet amour du peuple et de cet amour de la France qui est profondément en eux. Donc, Lamennais fait le voyage à Rome, va rencontrer Grégoire XVI, insiste auprès de Grégoire XVI pour lui dire « L'Église a un rôle décisif à jouer, un rôle historique à jouer pour défendre le peuple contre l'oppression des plus riches. » Et Grégoire XVI, qui est foncièrement conservateur, ne comprend simplement pas ce langage et le renvoie en France avec armes et bagages et un début de condamnation du journal L'Avenir, qui était le journal de Lamennais. Cette condamnation sera finalement publiée un petit peu plus tard, mais Lamennais supportera très mal la condamnation, lui qui a été le défenseur du pape, le défenseur de l'ordre romain, le défenseur de l'héritage, de la tradition romaine, devient un prêtre défroqué. Défenseur du peuple d'une manière très romantique et qui va fasciner un certain nombre de grands esprits du 19e siècle. Je pense que, par exemple, si on veut comprendre le parcours de Victor Hugo, il ne faut pas oublier que Victor Hugo a écrit des articles importants sur Lamennais et qu'il suivait de très près le parcours de quelqu'un comme Lamennais. Donc, les libéraux catholiques sont issus, si vous voulez, de cette fracture. Mais les libéraux catholiques vont être soit avec Lamennais hostile à l'Église, soit avec ses camarades autour de Montalembert, qui est un notable, qui est un homme qui est beaucoup plus par position sociale dans la conservation. Ils vont rester au sein de l'Église et représenter un courant. Le courant, donc, du libéralisme catholique qui se résume dans un slogan « L'Église libre dans l'État libre ». Ce slogan, malheureusement, me semble trop facile, parce qu'il est bien clair que l'Église libre dans l'État libre, c'est aussi un peu... comme dira Rosa Luxembourg plus tard, le renard libre dans le poulailler libre. C'est-à-dire que si l'État est libre et si l'Église est libre, les deux libertés, malheureusement, n'ont pas le même poids. Et l'Église risque fort son identité à vouloir jouer sa liberté à elle face à la liberté d'un État tout-puissant. Voilà, donc ça c'est le problème du libéralisme catholique institutionnel, non pas celui de Lamennais devenu marginal, mais le libéralisme catholique institutionnel autour, si vous voulez, de Montalembert, qui, si ma mémoire est bonne, meurt dans les années 1864-65. Voilà. Donc, ce courant libéral, il est historiquement extrêmement précis. On ne peut donc pas, sans autre forme de procès, identifier le libéralisme catholique et le modernisme. Autre temps, autre mœurs, autre problème, si vous voulez. Quelle est la différence? Alors, je crois que on peut dire que socialement, la différence n'est pas si grande. Autrement dit, le modernisme va séduire et va convaincre un certain nombre de gens d'un milieu très bourgeois, voire aristocrate,
la question n'est pas immédiatement celle du pouvoir du peuple, si vous voulez. La question est celle de la liberté de la pensée, celle d'une... comment les catholiques peuvent vivre dans un monde adonné à la libre pensée. Et ça, c'est une question que se pose, au fond, la haute société catholique, pour faire vite. Et la haute société catholique est quand même largement imprégnée de ce modernisme au début du siècle. Mais les questions que pose le modernisme sont beaucoup plus radicales que les questions qu'avait posées le libéralisme catholique. Les questions que pose le modernisme, on vient de le voir, c'est la question de la révélation, c'est la question de la Bible, c'est des questions fondamentales pour la foi elle-même. Et ce n'est pas seulement des questions d'attitude politique ou d'attitude face à cet événement métapolitique qu'est la Révolution française. Voilà, simplement, là je dirais qu'il y a une continuité entre le libéralisme catholique et le modernisme, continuité qui est faite aussi d'une radicalisation du questionnement envoyé à Rome. Alors le progressisme, c'est un mouvement qui remonte aux années 40, 50, 60, caractérisé évidemment par l'expérience des prêtres ouvriers. Le progressisme n'a pas grand-chose à voir, au moins au début, avec le modernisme. Le modernisme, comme le libéralisme catholique, ce sont des destins différents d'un même catholicisme bourgeois, fondamentalement. Le libéralisme catholique, l'amenait s'étant marginalisé, est devenu un phénomène bourgeois autour de Montalembert. Fondamentalement, le modernisme est un phénomène bourgeois. Ce sont des bourgeois, ce sont des membres de la haute société qui n'acceptent pas de voir l'Église intellectuellement marginale et qui veulent participer à l'esprit du temps. Mais vous comprenez bien que ce ne sont pas les ouvriers, que ce ne sont pas les employés qui sont modernistes, évidemment. Alors que le progressisme est un mouvement beaucoup plus vaste, un mouvement qui entend faire participer l'Église au changement considérable qui atteint les sociétés occidentales. On peut dire que les sociétés occidentales ont plus changé en 30 ou 40 ou 50 ans qu'en 10 ou 20 siècles. Donc il y a effectivement un changement colossal. Et le progressisme a anticipé ce changement en essayant de canoniser l'histoire et de canoniser la nature humaine, de la sanctifier. C'est Teilhard de Chardin qui est évidemment l'un des penseurs du progressisme catholique, penseur qui, à ma connaissance, ne vient pas spécialement de cette gauche bourgeoise qui était caractéristique du modernisme, mais c'est Teilhard de Chardin qui parlait de la sainteté de la nature humaine. Alors, si la nature est sainte, à quoi sert la révélation, à quoi sert la rédemption, à quoi sert le salut apporté par le Christ, à quoi sert la croix, etc. On a vraiment cette difficulté que pose le progressisme catholique. Mais parmi ces progressistes catholiques, on peut dire que on trouve beaucoup de gens qui, dans la mouvance d'un christianisme social, ont cru à la royauté sociale du Christ, ont chanté avec la Jogues Première Manière « Nous referons chrétiens nos frères » et sont finalement des déçus de ce grand élan initié par le pape Pie XI lui-même pour une recatholicisation du monde, parce que Pie XI c'était ça. On s'aperçoit que ça ne marche pas, et finalement, au lieu de se demander pourquoi et d'arrêter le mouvement, on radicalise ce mouvement
Et on a donc le phénomène des prêtres ouvriers, on a le phénomène des liturgies de partage, on a aussi, malheureusement, la remise en cause de l'histoire du christianisme et cette manie de la repentance qui est en fait une mise en question de l'identité chrétienne elle-même. Donc le progressisme peut aller très loin, beaucoup plus loin peut-être encore que le modernisme d'une certaine façon, mais il n'a pas les mêmes origines. Et paradoxalement, lui qui va beaucoup plus loin dans la déconstruction, il est issu d'un mouvement beaucoup plus conservateur. Alors je crois évidemment que le modernisme naît du 19e siècle, de ses pompes et de ses œuvres. Autant le libéralisme est une réponse un peu tardive à la fermentation politique du 18e siècle, autant le modernisme est une réponse également tardive, finalement, parce qu'elle apparaît à l'extrême fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, à la fermentation mentale, intellectuelle, du 19e siècle. Fermentation que les papes avaient jugée, fermentation que les papes avaient condamnée. On retrouve ça très bien interprété par Philippe Muret dans le 19e siècle à travers les âges, qui dit oxoc, vous savez, c'est le fameux résumé de Philippe Muret, occultisme, socialisme, cette partie belle entre l'occultisme et le socialisme, les papes l'avaient condamné en condamnant la maçonnerie, en condamnant justement cette étrange alliance, cet étrange alliage entre occultisme et socialisme. Mais le problème du modernisme est encore plus profond. C'est un problème intellectuel et j'ose dire c'est un problème de foi. Est-ce qu'on peut garder la foi des anciens jours dans une époque totalement rationaliste? On a une expression terrible de l'abbé Loisy dans ses souvenirs. Il dit au séminaire, j'ai appris à connaître une cathédrale. Il parle du point de vue intellectuel. Mais c'est une cathédrale sur du vide. Cette cathédrale sur du vide, pour lui, c'est la scolastique, c'est les sciences religieuses dans leur épanouissement, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a un prodigieux épanouissement de ces sciences religieuses sur plusieurs siècles, depuis la fin du Moyen-Âge, finalement. Le problème, c'est que ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus face à l'épanouissement des sciences, face à ces scientistes qui se veulent métaphysiciens. On peut penser aux darwiniens, on peut penser tout simplement à Bouvard et Pécuchet, les héros de Flaubert, ou à Monsieur Homais, tous ces gens qui, parce qu'ils ont trois connaissances en mathématiques, estiment que la question religieuse ne se pose plus. Alors, qu'est-ce qu'il fallait répondre à ces gens? Moi, il me semble que la question qui est posée, et que l'Église n'a pas forcément accepté tout de suite, c'est une question de critique de la connaissance. C'est une question épistémologique. Quel est le savoir à quoi la foi nous donne accès? Est-ce qu'il existe un autre savoir que le savoir purement rationnel? Et je citerai un nom, un philosophe catholique qui, me semble-t-il, a bien compris cela, c'est Jean Borella. Jean Borella, dans ses livres, si on accepte de le lire, et si on ne lui met pas trop vite l'étiquette gnostique qui ne correspond strictement à rien, a pour souci de montrer que le domaine de la foi n'est accessible qu'à une intelligence qui ne se limite pas à la raison. Il y a un autre grand esprit qui a compris cela, et ça a donné naissance à une encyclique, l'encyclique Fides et Ratio, qui est le fruit de la fin du pontificat de Jean-Paul II. Je n'ai vraiment pas tendance à minimiser
l'importance de Jean-Paul II. Au contraire, je le prends pour un génie. Mais je pense que dans cette encyclique, Fides et Ratio, le personnage important en sous-main, c'est le cardinal Ratzinger à l'époque, devenu donc le pape Benoît XVI. Et il a vraiment eu à cœur de poser à nouveau frais le problème des relations entre la foi et la raison, en faisant droit à la foi à travers une nouvelle perspective ouverte pour l'esprit humain. Est-ce que... Alors, je vais, quant à moi, le dire avec mes mots, si vous voulez. Là, je ne prétends pas restituer de trop près la pensée du cardinal Ratzinger. Je crois que, néanmoins, je suis fidèle à sa trace, en quelque sorte. Mais je dirais, il y a deux perspectives pour la raison. Il y a la perspective de la raison résonante, de la raison géométrique, comme disait Pascal, qui est une perspective d'égalité ou d'identité absolue. Est-ce que la raison fonctionne selon le principe d'identité? Alors A égale B, B égale C, et donc A égale C. Et c'est comme ça qu'on découvre les lois scientifiques, c'est comme ça qu'on peut envoyer un satellite à l'autre bout du système solaire, etc. Mais je crois que ça n'est pas l'unique possibilité de la raison. La raison peut aussi se prononcer sur les choses qui ont trait à la vie humaine. Et lorsqu'il s'agit de définir une science de la vie, cela le père Labertonnière l'avait bien compris, le principe d'identité, strictement parlé, ne suffit plus. Et il y a, on est obligé de réhabiliter une autre dimension de la raison, qui n'est pas la raison démonstrative, mais, pour le dire vite, la raison méditative. Et une raison qui médite, c'est une raison qui se comprend comme naturellement religieuse, qui n'a pas besoin de démontrer l'existence de Dieu comme si Dieu était un problème extérieur à elle, parce qu'elle sait que dans son fonctionnement même, il y a quelque chose de divin. Ce qui est incompréhensible, comme disait Einstein, c'est que le monde soit compréhensible. Ça, c'est une perspective ouverte, non pas à la rationalisation, mais à la méditation. Et c'est une perspective ouverte à la méditation par un grand rationnel, Albert Einstein. L'Église a réagi au modernisme avec une extrême vigueur, une vigueur qui a beaucoup surpris. Dans l'encyclique Pascendi Dominici Gregis, le pape Pie X dit que le modernisme est le carrefour de toutes les hérésies. Il parle aussi d'égout collecteur, ce qui est encore un petit peu moins gentil. Donc une sentine, enfin ça pue, il faut s'éloigner. Bon, et pourquoi le pape Pie X parle de cela? Parce que le modernisme touche non pas à l'objet de la foi, mais à l'acte de foi. On peut dire que c'est la caractéristique des hérésies moderne et de la mise en question moderne de la religion catholique depuis le XVIIIe siècle, que de s'attaquer non pas à tel ou tel dogme. La question n'est pas de savoir si le Christ est présent dans l'Eucharistie, comment il y est présent, la question n'est pas de savoir si Jésus est vrai Dieu et vrai homme, la question n'est pas de savoir si la Vierge est Vierge, etc. La question est de savoir ce que c'est que la foi. Comment nous nous rattachons à ces croyances? Et est-ce que ces croyances n'expriment pas avant tout la subjectivité du croyant? Finalement, c'est ça la critique moderniste. C'est l'idée que la foi est une manière de réagir pour l'individu qui exprime sa subjectivité au plus haut degré, à travers un projet qui le transcende. Il y a de très beaux textes à l'époque de Villiers de l'Isle-Adam, par exemple, qui montre bien, Villiers de l'Isle-Adam, qui n'est pas un homme de gauche, hein, qui est un dandy, qu'on dirait aujourd'hui, d'extrême droite, mais qui adhère
à cette perspective moderniste. On peut penser aussi à Peggy, qui dans les cahiers de la quinzaine accueille Édouard Leroy et accueille donc des personnalités modernistes avec joie. Parce que pour ces gens, au fond, la foi, c'est cette projection subjective qui représente ce que Jean-Pierre Foucault appellerait le dernier mot, le dernier mot de la personne face au drame de l'existence. C'est vrai et c'est faux. Si la foi n'est que cela, alors à chacun son dernier mot, à chacun sa foi, chacun son chemin. Et l'Église, ça ne peut pas l'admettre, puisqu'elle est, par définition, la matrice d'une croyance vraie et unique, depuis l'origine. D'où la condamnation du modernisme. En même temps, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et il faut bien comprendre qu'une conversion, elle s'effectue toujours à l'intime de soi, et que par conséquent, il y a en chacun une lumière particulière de Dieu. Comme dit saint Augustin, la première grâce est toujours la grâce de la foi. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, l'Église a réagi au modernisme d'une manière qui peut paraître un petit peu unilatérale, mais qui était en même temps pédagogique. Alors, il y a dans votre question plusieurs questions. Comment intervient Vatican II dans l'histoire de l'Église ? Sur ce point, je pense que Vatican II n'est pas un phénomène lié à l'histoire intellectuelle de l'Église, mais un phénomène, j'allais dire, disciplinaire. C'est-à-dire que nous avons eu un pape, le pape Pie XI, qui était un pape extrêmement autoritaire, à un point qu'on n'imagine pas. Je veux même pas donner d'exemple. Et ce pape Pie XI avait une vision de l'Église qui était une vision extrêmement confessionnelle. L'Église catholique, il en était le chef, elle était visible, et tout ce que faisaient les catholiques devait être catholique. Sous le pontificat de Pie XI, vous avez non seulement la littérature catholique, non seulement la philosophie catholique, mais vous avez le sport catholique, vous avez le syndicalisme catholique, vous avez la politique catholique. Ça n'a pas marché en France, mais ça marche en Allemagne, c'est le Zentrum. Et ça marche d'ailleurs depuis plusieurs décennies. Donc, tout est catholique, si vous voulez. Et il semblerait que les catholiques ne puissent rien faire qui ne soit catholique. Il y a une formule, à plusieurs reprises d'ailleurs dans sa vie, le pape Pie XI est revenu là-dessus, mais je pense en particulier en 1938 aux ouvriers de la CFTC, où le pape Pie XI a dit « l'Église catholique, elle aussi, est totalitaire ». Le mot « totalitaire » est un mot italien. C'est évidemment Giovanni Gentile qui l'a formulé pour l'Encyclopédia Italiana, je crois, enfin pour la grande encyclopédie que Mussolini avait programmée, l'Encyclopédie des savoirs, revue et sublimée par le fascisme. Et donc, le totalitarisme, c'était tout pour l'État, tout par l'État, rien en dehors de l'État. Pie XI emploie ce terme, il est italien lui aussi, il connaît très bien ce terme. Attention, Pie XI n'emploie pas le terme totalitarisme comme plus tard Le Fort ou Castoriadis, hein, ça n'a rien à voir. On n'est pas dans la critique du totalitarisme des années 70-80, enfin, il faudrait pas faire d'anachronisme. Mais il emploie ce terme sachant ce qu'il signifie. Et il dit effectivement tout pour l'Église, tout par l'Église, rien en dehors de l'Église. L'Église catholique, elle aussi, est totalitaire. Donc je crois que cette autorité de faire, qui est l'autorité de Pie XI, elle a, sur le coup, permis une véritable expansion de l'Église, en particulier dans les territoires de mission, mais aussi une visibilité très grande de l'Église dans les pays occidentaux.
Simplement, elle supposait une sorte de corset de fer qui a été assez mal supporté. Et je crois que Vatican II, cette revendication de liberté, ou comme disait le cardinal Suenens au pape Paul VI, cette revendication de co-gestion dans l'Église, donc de relativisation du pouvoir central, et la conséquence tardive, mais certaine, de la centralisation romaine sous Pie XI. Donc ça, c'est une perspective politique. Maintenant, du point de vue intellectuel, la question se pose un peu différemment, parce qu'il n'est pas certain que Vatican II ait une position intellectuelle clairement identifiable sur tous les sujets. Vatican II, c'est 2000 évêques, des pour, des contre, des sans opinion. Et c'est une majorité identifiée et une minorité qui est prise en compte. Parce que la grande idée de Paul VI, qui est celui qui a fait Vatican II, hein, il n'y a qu'un document de Vatican II qui remonte à Jean XXIII, c'est Sacrosanctum Concilium sur la liturgie. La grande idée de Paul VI, c'est qu'il fallait une unanimité des pères. Que si Vatican II pouvait être efficace, c'était au nom de l'unanimité. Quelque chose à quoi le pape François devrait réfléchir à propos du synode sur l'accès des divorcés remariés à la communion et sur la pastorale des homosexuels. Mais enfin, je passe. Oui, l'unanimité était nécessaire. Et par conséquent, si vous voulez, que dit vraiment Vatican II ? Je crois qu'on ne peut pas le dire d'un mot. Le Concile Vatican II est un concile unique dans l'histoire de l'Église. Il y a les conciles dogmatiques, ce sont les grands conciles christologiques du début de l'histoire de l'Église. Il y a les conciles de réforme, le Concile de Trente, par exemple. Il y a les conciles d'union, le Concile de Florence, en 1438, a négocié et obtenu l'union avec les catholiques, avec les chrétiens orientaux, avec les orthodoxes. Et d'ailleurs, les documents du Concile de Florence sont toujours reconnus, je crois, par les deux parties, autant que je sache, c'est assez surprenant. Le Concile Vatican II n'est ni un concile d'union, à proprement parler, ni un concile dogmatique, ni non plus un concile de réforme, dans le sens où la réforme serait un retour au dur, un retour à la forme originelle. Le Concile Vatican II s'est voulu un concile pastoral. L'idée de concile était dans l'air depuis un certain temps. Pie XI l'avait agité, déjà. Pie XII, elle lui avait été proposée. Mais, finalement, c'est Jean XXIII qui va la saisir. Jean XXIII fait un petit peu de mise en scène, il était très fort sur la mise en scène. Et il a dit « l'idée du concile a illuminé mon cœur », enfin, etc. Comme l'idée d'une nouvelle Pentecôte ou d'une nouvelle épiphanie, enfin ce sont les images qu'il utilise à différentes occasions. Des images fortes, en fait, Jean XXIII s'est vu proposer la possibilité d'un concile comme on l'avait proposé à Pie XII. On sentait bien que l'Église devait faire face à la modernité en posant les problèmes sur la table et en apportant les réponses nécessaires. Ces réponses, à l'époque de Vatican II, elles existent, mais elles sont fragmentaires, au rythme d'encycliques. La dernière grande encyclique antimoderne est l'encyclique de Pie XII, Humani Generis, en 1950, encyclique qui est loin de résoudre tous les problèmes qui se posent et qui trop souvent est un peu allusive lorsqu'on arrive à de véritables questions, en particulier toujours dans la fameuse question de savoir s'il fallait ou non condamner le père de Lubac et condamner ceux qui envisageaient en chaque homme un désir naturel de voir Dieu.
Cette question est abordée en une ligne dans l'encyclique Humani Generis. Or, c'est une question théologique qui peut paraître une question pour pur spécialiste, mais en quelque sorte, c'est une question test. Est-ce que l'homme est au niveau de Dieu ou pas ? C'est une question fondamentale dans ce qu'est la foi. Si l'homme est au niveau de Dieu, sa foi, il la possède évidemment en lui-même. Si l'homme n'est pas au niveau, il doit la recevoir. Et toute l'économie de la foi est différente. Bon. Je vais très vite, hein. Je suis conscient de caricaturer un tout petit peu, mais on est dans des questions très difficiles. Bref, on aurait pu attendre d'un concile qu'il pose toutes ces questions qui apparaissent depuis le XIXe siècle et desquelles, au fond, nous parlons encore, questions qui, pour moi, ne sont toujours pas vraiment résolues par l'Église. Que dire face à la modernité ? Et finalement, le problème, c'est que Jean XXIII n'avait pas un véritable programme. Et le problème, c'est que dans le discours d'ouverture du Concile Vatican II, qui n'est pas écrit par lui, mais qu'il a quand même prononcé et approuvé, discours qui s'appelle « Gaudete Mater Ecclesia », Notre mère Église se réjouit. Il y a un nouveau concept qui fait vraiment de ce concile un concile sui generis. C'est le concept de la distinction entre le fond de la révélation et la forme sous laquelle ce fond apparaît. La forme liturgique, la forme théologique, la forme rhétorique, etc., etc. Le problème dans une religion de l'incarnation, c'est que tout est dans la forme. Donc si on commence à séparer le fond et la forme, que reste-t-il ? Et ce sont des questions qui malheureusement n'ont pas été posées par Jean XXIII, alors même que sa distinction est totalement révolutionnaire. Je vous parlais tout à l'heure du christianisme progressif, et de l'adhésion de quelques catholiques, comme Émile Boutroux, au christianisme progressif. Dans un vieil ouvrage du début du XXe siècle, que j'ai trouvé par hasard dans une brocante, on a cette idée qu'on retrouve chez Jean XXIII de la distinction entre le fond et la forme. Oui, mais c'était le christianisme progressif, c'est-à-dire un mouvement qui n'est pas la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, mais qui est un mouvement chrétien d'ouverture absolue à la modernité, d'ouverture dans son nom même progressif. Est-ce que le discours de Jean XXIII n'a pas été un peu léger ? C'est amusant de voir les réactions de deux pères conciliaires. Le père Congar, dans son journal du concile, ne voit absolument pas l'importance de ce discours au début. En revanche, le père Schilbeck, dans « Je suis un théologien heureux », son petit livre d'entretien, dit « Mais le concile ne pouvait pas commencer sous de meilleurs auspices, parce que cette distinction entre le fond et la forme est vraiment la distinction la plus subversive qui soit et qui permettra que naisse à travers elle un christianisme du troisième millénaire. » Alors non, pas du tout. Je pense que le protestantisme, historiquement, c'est un refus de l'autorité romaine pour des raisons qui sont d'abord politiques, en particulier chez Luther, dans son discours à la noblesse allemande, on le voit bien, mais aussi pour des raisons spirituelles, qu'un Calvin va beaucoup mettre en avant. Mais ce refus de l'autorité mis à part, le protestantisme est un intégrisme. Aussi curieux que ça puisse paraître, un Calvin avec sa théorie de la prédestination est un augustinien de très stricte observance. Un Luther est un catholique de droite, incontestablement, qui récusera d'ailleurs les glissements d'un Zwingli en Suisse. Vous voyez, Zwingli
fait une théorie symbolique de la présence eucharistique que récuse absolument Luther. Luther, sa faiblesse, c'est d'avoir été formé à travers des théologiens occamiens, Gabriel Biel en particulier, mais le fond de son tempérament le pousse à une espèce de fidélité fougueuse et jusqu'au boutiste. Et c'est ce jusqu'au boutisme qui va l'opposer au catholicisme romain. J'avoue que j'ai un faible pour Luther, que mon cher Cajetan a rencontré. Luther s'attendait au pire. Vous savez que le bûcher de Jean Hus n'est pas très loin, un siècle avant, mais ça a suffisamment marqué les esprits. Et au lieu de lui promettre le bûcher, Cajetan lui dit « Mon cher ami, vos problèmes sont des problèmes de théologiens, nous allons y réfléchir en théologiens, il ne s'agit pas d'agiter la populace pour cela. » Ça ne faisait pas tout à fait les affaires de Luther, qui était déjà pris en main, en quelque sorte, par le plus grand collectionneur de reliques de son époque, ça c'est l'ironie de l'histoire, Frédéric le Sage, qui, au nom des princes allemands, s'était rebellé contre l'empereur très catholique, et qui essayait de jouer donc une partie à la fois théologique et politique. Et voilà pour le protestantisme. Le protestantisme devient libéral plus tard. Il devient libéral par l'intermédiaire historiquement constatable, traçable, j'allais dire, d'un certain Fausto Sossin, qui est un Italien. Fausto Sossin, personnage de la fin du XVIe siècle, on est loin des pères fondateurs, qui considère que les mystères du christianisme ne doivent pas être pris en compte parce qu'ils dépassent la raison. Donc le mystère de la Trinité, le mystère de la divinité du Christ, tout ça on en voit par-dessus les moulins. Le sacrifice, ah, c'est quelque chose d'horrible, donc il ne faut pas parler de sacrifice, le sacrifice de la croix, le sacrifice des chrétiens, c'est impossible. Qu'est-ce qui reste? Il reste une morale humanitaire, qui est donc la morale des sociniens, ou des unitariens, comme on les appelle selon les cas, unitariens parce qu'anti-trinitaires. Il y a un grand personnage qui a été converti au socinianisme, une vraie conversion, c'est Spinoza. Spinoza, juif des Pays-Bas, s'est fait exclure de la synagogue après avoir expliqué que le passage de la mer Rouge et tous ces trucs-là, c'était du flan. Donc il a été excommunié par les juifs et il s'est retrouvé finalement en sympathie avec ces chrétiens progressistes de l'époque, si on ose dire, qui étaient les sociniens. Et ce qui fait dire à Spinoza, dans le traité théologico-politique, que le Christ est la bouche de Dieu, ce qui est quand même pas mal pour un juif, on l'avouera. Donc il y a une vraie démarche christianisante chez Spinoza à travers le socinianisme. Mais, si vous voulez, le problème du protestantisme ensuite, c'est que, ayant récusé toute forme d'autorité spirituelle, et n'acceptant l'autorité que du prince chrétien, c'est la substance de la lettre à la noblesse allemande, du discours à la noblesse allemande de Luther, et c'est aussi la perspective de Calvin, même si Calvin est encore plus intégriste, parce que lui il possède le pouvoir à Genève, hein, et il brûle Michel Servet sur la Grand Place. Le problème de ces protestants, c'est le problème de l'autorité spirituelle. Ils n'ont plus d'autorité spirituelle. Et par conséquent, ils sont complètement poreux au rationalisme moderne. Et par conséquent, on va identifier protestantisme et libéralisme, alors même que les vrais protestants ne sont pas libéraux. Et qu'encore aujourd'hui, si vous rencontrez un protestant qui a la foi, et qui l'a fondamentalement, et la foi dans les Écritures, il ne peut pas être libéral. Il ne peut pas être libéral s'il croit à la vérité de la lettre de l'Écriture. C'est pas possible. Il n'est libéral que parce qu'il n'y a... Parce que en l'absence d'autorité spirituelle, il est laissé au gré des grands courants de l'époque. Et alors c'est Albert Schweitzer et c'est tous ces protestants du XXe siècle qui sont effectivement de très grands libéraux, pour lesquels le dogme, même le dogme christologique, est purement symbolique.
Non, je ne crois pas qu'on puisse dire cela, parce que le modernisme a été condamné, et qu'il a été condamné en des termes très précis, qui n'ont pas pu être repris au Concile Vatican II, tel que. En revanche, le Concile Vatican II est l'image de son temps. Quel est ce temps ? C'est les Trente Glorieuses. C'est une époque où le monde change plus en 30 ans qu'il n'a changé en des siècles. C'est un monde dans lequel il n'y a plus de repères. C'est un monde dans lequel, je prends cette image, tous nos paysans ont jeté à la rue les beaux meubles, les lits clos et les armoires grinçantes de leurs ancêtres pour les remplacer par des meubles en formica. Eh bien, il y a dans Vatican II, je ne veux pas être insultant en disant cela, mais il y a quelque chose comme un concile en formica. Il y a ce risque, si vous voulez, du cheap, du vite fait, du ready-made, peut-être même, qui affleure dans les textes et qui fait que à la fois Vatican II a pu être un concile nocif quand on l'a pris comme la base absolue d'une nouvelle religion, parce qu'il n'était pas cela, et à la fois Vatican II peut être un concile que je dirais surtout insuffisant, parce qu'il n'a pas encore abordé de front les problèmes. Et à cet égard, je voudrais dire que le magistère de Jean-Paul II, en particulier dans sa deuxième partie, dans la deuxième décennie de son pontificat, avec des encycliques comme Centesimus Annus, comme Veritatis Splendor, comme Evangelium Vitae, comme Fides et Ratio, est un pontificat qui a essayé de mettre au point, de visser une critique positive, constructive de la modernité que Vatican II a initiée et pour laquelle il n'est pas allé jusqu'au bout. Si vous me posez la question de Vatican II, j'aime beaucoup répondre comme le cardinal Ratzinger en 2000 le faisait à Paolo Darcis. Paolo Darcis, c'est cet athée très médiatique en Italie. On organise donc un face-à-face entre l'athée médiatique et le cardinal savant, et on se frotte les mains, bien entendu. Le cardinal savant avait beaucoup préparé des questions autour de la foi ou de la non-foi. Et surprise, Paolo Darcis lui pose une question sur Vatican II. Alors il dit, écoutez, j'avais pas du tout préparé de réponse sur ce sujet, mais je voudrais dire que Vatican II ouvre des voies. Et je trouve que dans la non-préparation de cette réponse, il y a une vérité profonde. Vatican II ouvre des voies, un peu comme dans la forêt vierge, qui représente le temps dans lequel nous vivons, dans la forêt équatoriale africaine, à côté de laquelle j'ai vécu pendant 2 ans, on peut ouvrir des voies sans savoir trop où elles mènent. Parce qu'il y a des endroits où, qui n'ont jamais connu le pied d'un homme. Donc on peut arriver, je sais pas, à une falaise, à un précipice, et rebrousser chemin pour ouvrir une autre voie. Je crois que l'Église d'aujourd'hui, elle est dans cette perspective où des voies ont été ouvertes par Vatican II, qui à cet égard est un événement providentiel pour l'Église. Mais ces voies n'ont été qu'initiées par le Concile. Et le magistère de Jean-Paul II, je crois, avait profondément conscience de ce que le Concile n'était qu'un commencement. Et les grandes encycliques de Jean-Paul II ont aidé, je pense en particulier à Fides et Ratio, qui est une encyclique dont on peut difficilement minorer l'importance. Je crois vraiment que les grandes encycliques de Jean-Paul II ont aidé Vatican II à accoucher de ce qu'il était véritablement. Voilà. Alors, le Concile a eu une importance prodigieuse dans la mesure où il est intervenu à peu près sur tous les sujets.
sur tous les sujets de discussion entre les catholiques, en tout cas. Si on essaie de trouver un point de vue qui unifie la diversité des interventions conciliaires, on pourrait dire que Vatican II s'est vraiment voulu un concile monde. Vatican II est un événement qui anticipe sur la mondialisation ou qui joue sur une idée de mondialisation spirituelle. Je parle de mondialisation sans jugement de valeur, comme un fait. Le fait Internet, par exemple, un fait technologique qui produit une mondialisation considérable, ne serait-ce qu'une mondialisation des échanges. Donc le Concile Vatican II anticipe sur cette grande mondialisation actuelle, et on peut dire que ces différentes interventions sont destinées à favoriser la position de l'Église dans un monde totalement ouvert. À cet égard, on est loin du pontificat de Pie XI, loin du confessionnalisme dans lequel Pie XI avait enfermé l'Église catholique, et on retrouve le sens de cet adjectif catholique qui signifie universel. Je vous rappelle qu'au 1er siècle, saint Ignace d'Antioche emploie le mot catholique, la Sainte Église catholique dans sa lettre aux Smyrniotes, et que dire « nous sommes catholiques » pour ces chrétiens du 1er siècle, ça veut dire « nous sommes les universels ». Qui vous êtes ? Nous sommes les universels. Quelle audace ! Quelle audace extrême ! Et je crois que c'est vraiment cette audace qui doit être la nôtre aujourd'hui. Donc, vous me parlez d'apport du Concile, le principal apport du Concile, c'est qu'il nous aide à être universels. En particulier, en posant le problème de l'écuménisme, du dialogue interreligieux, de la liberté religieuse. Ces trois questions sont fondamentales dans l'universalité de l'Église. Mais évidemment, il ne faut pas les aborder d'une manière négative. Si l'écuménisme consiste à trouver le plus petit commun dénominateur entre les confessions chrétiennes, c'est une erreur. C'est une erreur grave. Si le dialogue interreligieux consiste à se laisser enseigner par ceux avec lesquels on dialogue, en oubliant que, de par la grâce de Dieu, on possède une vérité qui est surhumaine, eh bien, c'est un reniement. Et si la liberté religieuse consiste à dire que chacun a la liberté personnelle d'élaborer, comme disait la princesse palatine, son petit religion à soi, avec cet accent allemand qui l'a caractérisé, ce serait dramatique. Donc, ces trois dimensions nouvelles sont susceptibles d'une approche négative, mais elles sont en elles-mêmes essentiellement positives. L'œcuménisme, c'est quoi ? Étymologiquement, c'est le retour à l'œcuménée, à une église aux dimensions de l'œcuménée, c'est-à-dire aux dimensions du monde habité, et qui est certaine de la vérité que le Christ lui a confiée. C'est dans la mesure où l'Église est certaine de la vérité que le Christ lui a confiée, de cette vérité intégrale que le Christ lui a confiée, qu'elle peut s'adresser aux autres confessions chrétiennes en témoignant de cette vérité qui est en elle, non pas en témoignant comme une institutrice donneuse de leçons, mais en témoignant comme le bon samaritain de l'Évangile, si vous voulez. Donc je crois que l'écuménisme, c'est quelque chose qui est nécessaire. On voit bien aujourd'hui, alors que les chrétiens sont attaqués de partout, on voit bien qu'il doit y avoir un mouvement de solidarité entre chrétiens. Lorsque des églises protestantes sont brûlées au Niger à cause de la une de Charlie Hebdo, eh bien nous catholiques, nous sommes solidaires des protestants du Niger qui voient leurs églises brûlées à cause de la...
de la provocation d'un journal français. C'est évident. Et ainsi de suite. Je prends cet exemple parce que c'est un des derniers en date qui me passe par l'esprit, mais quand on voit la force de l'évangélisation des Kabyles par les évangélistes protestants, et le manque de réactivité, malheureusement, parfois, de la hiérarchie catholique en Afrique du Nord, on se dit, le Christ se sert de tous les moyens pour se faire connaître à ceux qui l'attendent. Voilà l'écuménisme qui est, je pense, de plus en plus un écuménisme de l'Église réduite au silence. Et d'une Église qui ne se résout pas à dire que rien de chrétien lui soit étranger. Le dialogue interreligieux, c'est la même chose. Si le dialogue, c'est cet instrument que Platon avait magnifiquement mis en place, instrument purement rationnel, où on part de l'ignorance pour arriver au savoir, et où on risque fort d'ailleurs la porie, l'impasse, ça peut pas être le dialogue que l'Église mène. Mais si le dialogue consiste à aller chercher ceux qui sont loin pour essayer de les rapprocher, il est évident que c'est un instrument nécessaire. Donc le problème, c'est d'arriver à être clair sur ces questions. La liberté religieuse, si la liberté religieuse, c'est la liberté de conscience de chacun de se faire son petit religion à soi, ça n'est pas possible. Si c'est au contraire la liberté des religions, dans un monde de plus en plus centralisé et dans un monde de plus en plus unifié, cette liberté des religions, elle est nécessaire, elle est vitale. Voilà, donc Vatican II n'est pas un concile exempt d'ambiguïté sur tous ces sujets, mais il a le mérite, encore une fois comme dit Benoît XVI, d'ouvrir des voies. Et c'est à nous de travailler en esprit filial, en esprit ecclésial, pour que ces voies soient le plus carrossables possible. Le concile cause ou conséquence de la déchristianisation, je dirais les deux en général. Il est évident que le concile est largement explicable par l'évolution des mentalités occidentales et que les textes du concile sont un reflet de l'évolution des catholiques européens, en particulier français, allemands, belges et néerlandais. Mais, en même temps, le Concile va jouer un rôle d'accélérateur de la déchristianisation dans certains domaines. Je voudrais dire lesquels, parce que je ne veux pas... Je voudrais d'abord illustrer cette déchristianisation par des chiffres de pratique en France. Donc là, c'est une question française. Ces chiffres, je les dois à Jean de Vigry, qui a fait une histoire de la déchristianisation, et qu'il met à jour d'ailleurs régulièrement, et qui est toujours utile. On s'aperçoit que la pratique en France s'est effondrée entre 1971 et 1975. 1971, c'est pas le Concile Vatican II. 1971, c'est... La nouvelle messe rendue obligatoire dans toutes les paroisses. En 1971, il y avait encore en France 22% de pratiquants. À titre indicatif, en 1900, il y en avait 25%. Donc, on peut penser, ce sont les chiffres, hein, que entre 1900 et 1971, il n'y a pas une grande évolution du nombre des catholiques français. On peut le regretter aussi, on peut penser que l'Église est trop sur ses positions, bien sûr. Mais enfin, en tout cas, il y a une forme de stagnation. Entre 1971 et 1975, on passe de 22% à 15%. En 1975, il y a 15% de pratiques. C'est le dernier recensement que nous possédions. Depuis 1975, nous n'avons plus que des sondages, qui n'ont pas la même fiabilité. Mais, donc, il s'agit à l'époque, d'un recensement. Il s'agit d'un chiffre vraiment assez terrifiant et qui montre que la réforme liturgique est très mal passée sur le coup. Ça ne veut pas dire que si on remet la messe en latin, tout le monde va y revenir. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une rupture de tradition, il y a eu une rupture culturelle
Il y a le problème du latin que les gens ne comprennent plus. Ils comprenaient d'instinct le latin, langue sacrée autrefois. Ils ne le comprennent plus aujourd'hui. Je parle des occidentaux. En Afrique, ça ne pose pas problème, hein, le latin. Parce que la langue sacrée ne pose pas problème. Parce que le sacré ne pose pas problème. Mais aujourd'hui, en France, la langue sacrée pose un problème. Donc, je ne dis pas que la messe traditionnelle est le remède à la perte de pratiques en Europe, mais je crois néanmoins que le passage autoritaire d'un rite à l'autre, avec la persécution des prêtres qui restaient fidèles à l'ancien rite, etc., a beaucoup joué dans la désaffection des fidèles à l'époque. Donc ça c'est un premier point. Il y a un problème liturgique, il faut comprendre ce que c'est que la liturgie et ce que c'est que le rite liturgique avant de le réformer. Le deuxième point, c'est le problème de la liberté de conscience. Le drame de Vatican II, c'est que, sans le vouloir vraisemblablement, le paragraphe 3 de Dignitatis Humanae, comme je l'ai expliqué dans mon livre Vatican II et l'Évangile, a mis en cause non pas la liberté religieuse, il faut défendre la liberté des religions aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, mais a mis en cause la liberté de conscience. Qu'est-ce que c'est que la liberté de conscience? Elle a été condamnée très fortement dans la proposition 15 du syllabus. Je vous propose de vous lire cette proposition. Le syllabus, c'est 1864, c'est le pape Pie IX, ça ne nous rajeunit pas. Voici ce qu'il dit. « Tout homme est libre d'embrasser et de professer la religion qu'il doit considérer comme vraie, guidée par la lumière de la raison. » Proposition condamnée. Donc, l'idée que la lumière de la raison seule puisse permettre de découvrir la vérité religieuse est une idée que l'Église catholique récuse, parce qu'elle a toujours insisté sur le fait que la foi est une grâce, que la foi est la première grâce au sens de saint Augustin, et que par conséquent, dire que la foi est uniquement un produit de la lumière de la raison, c'est s'exposer à toutes les déformations de la foi selon la forma mentis de l'individu croyant. Voilà. Eh bien, malheureusement, le paragraphe 3 de Dignitatis Humanae promeut une église en recherche, promeut une église en dialogue, dans le mauvais sens du terme, promeut une église qui donne libre cours à la raison pour reformuler sa proposition de foi. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Moi, j'ai connu, dans ma jeunesse, ces prêtres qui se disent « en recherche ». Si le prêtre est en recherche, les fidèles, ils le laissent à sa recherche, ils ne veulent pas déranger, mais évidemment, ils s'éloignent, parce qu'ils considèrent qu'il n'a pas grand-chose à leur apporter. Il faut d'abord qu'il ait fini sa recherche avant de pouvoir éventuellement leur apporter quelque chose. Et je crois vraiment que ces prêtres en recherche, qui ont appliqué Dignitatis Humanae paragraphe 3 scrupuleusement, sont des prêtres qui ont aussi contribué à la chute de la pratique religieuse. Vous me demandez si toute personne attachée à la tradition catholique est nécessairement traditionnaliste. Si vous entendez par traditionnalisme un mouvement constitué, un mouvement religieux constitué, il est évident que non. Il est évident que tous les catholiques sont attachés à une tradition, c'est-à-dire à la transmission d'un donné qui n'est pas le produit de la raison humaine, mais qui est le produit de l'enseignement du Christ qui s'est transmis jusqu'à nous. Vous me demandez ensuite si le traditionnalisme est un néotomisme. Alors là, vous touchez un point important, et j'ai oublié d'en parler dans l'apport du Concile Vatican II. Je crois qu'un des grands apports du Concile Vatican II, c'est de rompre avec la vulgate néotomisme, ou de rompre avec le néotomisme universel. Attention, c'est compliqué. Vatican II est un concile largement néotomiste. Vatican II est un concile dont les membres ont étudié la scolastique de près, et donc sont tous plus ou moins des néotomistes. Mais c'est vrai que Vatican II s'ouvre
à la plus grande tradition de l'Église pour utiliser tous les éléments du trésor de l'Église, de la richesse de l'Église, face à la mise en cause de la modernité. Et à cet égard, cette ouverture est salubre. Cette ouverture à la plus grande tradition est très importante. Certains traditionalistes sont apparus comme des néotomistes obtus, qui, du moment que telle ou telle formulation s'écartait des manuels de théologie des années 30, ont pris fait et cause contre ces discours non scolastiques. Et ont confondu discours non scolastiques et discours non catholiques, ce qui est une catastrophe. Ça, c'est un des aspects négatifs d'un certain traditionalisme. Le traditionnalisme est-il un conservatisme, me demandez-vous ? Tout dépend ce qu'on appelle conservatisme. Je crois que c'est Henri V, le duc de Bordeaux, qui disait conservatisme, ce mot qui commence si mal. Je ne sais pas s'il faut envisager ça de cette façon. En tout cas, le traditionalisme a eu un côté conservatoire, je dirais. Et il est vrai que la lutte des traditionalistes, ça ne s'est pas fait sans mal et ça ne s'est pas fait sans casse. La lutte des traditionalistes a permis de conserver certaines richesses de l'Église, en particulier les richesses liturgiques et des richesses théologiques qui avaient été un peu vite mises à l'encan par l'esprit du Concile en Formica que je dénonçais tout à l'heure. Donc, conservatoire plutôt que conservatisme, mais le conservatoire, c'est évidemment quelque chose de temporaire. C'est-à-dire que si la liturgie traditionnelle s'est conservée, si le chant latin s'est conservé, c'est pour qu'il puisse se diffuser à nouveau, et non pas pour que quelques personnes considèrent en avoir le monopole. Vous me demandez maintenant si le traditionalisme est un intransigeantisme. Intransigeantisme, c'est un mot qui a été forgé par les spécialistes de l'étude du catholicisme du XXe siècle et du XIXe siècle. Les catholiques intransigeants, ce sont les catholiques qui résistent à la modernité révolutionnaire, pour le dire d'un mot et très vite. Il est évident que beaucoup de traditionalistes viennent de milieux intransigeantistes. Ça, c'est clair. C'est à la fois leur force et leur faiblesse. Leur force parce qu'ils sont autonomes, leur faiblesse parce qu'ils sont peut-être un peu systématiquement réactifs. Ou réactionnaires dans un sens un peu compulsif du terme. Vous me demandez maintenant si le traditionalisme est un intégrisme. Alors, je vous dis absolument pas. Qu'est-ce que l'intégrisme ? J'aime beaucoup une formule d'André Frossard qui dit « L'intégriste est un homme qui veut faire la volonté de Dieu, que Dieu le veuille ou pas. » C'est-à-dire, l'intégriste, c'est celui qui sait mieux que Dieu ce qui doit être fait et qui l'impose au monde entier. Les intégristes de toutes les religions ont cela en commun. Mais les intégristes de la laïcité ont cette même assurance, si vous voulez. Et récemment, M. Bartolone nous expliquait que la loi de la République était supérieure aux lois de l'Église catholique, et que les catholiques l'avaient bien compris. Pas tous. Voilà. Alors, je crois qu'il y a un intégrisme laïque, parce qu'il y a une religion laïque, qui est supérieure aux religions historiques, d'après ses membres, d'après ses tenants. Je pense que l'intégrisme est un danger, le danger de celui qui se croit seul au monde, finalement. Toujours. Vous me demandez maintenant, de façon plus subtile, si le traditionalisme est un intégralisme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intégralisme ? C'est un mot qui, à ma connaissance, a été forgé ou utilisé par Maurice Blondel pour désigner une sorte d'ouverture maximale à toutes les vérités.
et aux vérités chrétiennes devenues folles dans la mesure où on saurait les ramener à leur vigueur originelle, à leur santé d'origine. J'aime beaucoup une phrase de saint Ambroise qui dit « Omne verum a quocunque dicatur a spiritu sancto est ». Toute vérité, quel que soit celui qui la profère, vient du Saint-Esprit. De ce point de vue, je dirais, il faudrait que le traditionalisme soit un intégralisme. Le problème des traditionalistes, c'est qu'ils se sont levés contre des ambiguïtés de Vatican II, et ils ont eu, je crois, largement raison de le faire. Ils ont apporté à l'Église universelle en le faisant. Ils ont largement conditionné, d'ailleurs, un certain nombre de documents du magistère romain par leur révolte et leur résistance. À cet égard, ils ont eu une mission historique qu'ils ont, d'une certaine façon, accomplie. La difficulté pour les traditionalistes aujourd'hui, c'est de comprendre que l'Église entre dans une nouvelle époque et que, par conséquent, leur attitude doit évoluer, non pas que leur foi doit changer, non pas que leurs certitudes fondamentales doivent bouger, mais les problèmes qui se posent à l'Église du pape François ne sont pas les problèmes qui se posent à l'Église de Paul VI. Et le danger que courent aujourd'hui certains traditionnalistes, c'est finalement d'en rester à l'époque de Paul VI comme si rien n'avait changé. On voit d'ailleurs qu'un certain nombre de jeunes issus de la mouvance traditionnelle se lassent de cette répétition un peu psittacique d'un discours qui n'est plus pertinent aux réalités d'aujourd'hui. Le rite est évidemment très important. Pourquoi ? Parce que, comme disait Don Guéranger, la liturgie est la langue de l'Église, la langue par laquelle l'Église s'adresse à son époux céleste et la langue que l'Église parle aux hommes aussi. C'est effectivement d'abord la langue liturgique et le rite. Le drame, c'est qu'on a voulu faire une liturgie déritualisée à travers le document Sacrosanctum Concilium de Vatican II qui ne dit pas tout à fait cela, mais qui est assez vague et qui comporte des mots d'ordre qui peuvent être interprétés dans ce sens, en particulier un mot d'ordre tout à fait révolutionnaire, celui de l'expérience liturgique. Dans Sacrosanctum Concilium, il est question de créer dans chaque diocèse un comité des expériences liturgiques. C'est tellement énorme que cela n'a pas vu le jour. Mais cela vous dit où on en était en ce début des Trente Glorieuses et où en étaient les catholiques dans le respect de leur propre tradition. Alors, les traditionalistes ont tout de suite compris qu'il fallait que leur résistance ne soit pas une résistance purement idéologique, qui aurait pu d'ailleurs aussi déborder en une résistance politique, ce qui aurait été de mauvais aloi, mais qu'il fallait que leur résistance soit sacrée. Et quel meilleur pôle, finalement, que le pôle liturgique, puisque c'est à travers la liturgie que l'Église couramment s'adresse aux hommes. Je me souviens du sermon de Mgr Lefebvre pour son jubilé sacerdotal. Il disait en substance, en tant qu'évêque missionnaire, en tant qu'évêque avant tout pastoral, bien plus pasteur que théologien, Mgr Lefebvre, il disait « J'ai vu les effets de la messe en Afrique, il n'y a pas de raison que cela ne soit pas aussi dans nos pays. » Donc, l'idée de Mgr Lefebvre, ou plutôt son expérience, c'est la puissance du rite traditionnel, la puissance en Afrique, où la messe peut changer une population, peut changer des comportements, peut faire évoluer toute une élite, et l'idée que si ça marche en Afrique, comme lui il l'a vu en tant qu'archevêque de Dakar, il n'y a pas de raison que cette puissance de la liturgie ne soit pas ressentie aussi dans les pays occidentaux. Et je crois, voilà pourquoi Mgr Lefebvre a vraiment élaboré une mystique de la Sainte Messe et a mis la messe non seulement au cœur de son combat, mais au cœur
de la vie de ses prêtres, des prêtres qu'il a formés dans la fraternité Saint-Pilice. Alors, Monseigneur Lefebvre est un prélat dont le parcours, dont la carrière a été extrêmement brillante jusqu'aux années 60. Il était, dans les années 60, le responsable de toute l'Afrique francophone devant Rome. Donc il y avait des évêques, évidemment, un peu partout, mais ces évêques, il était leur supérieur direct. Et sa mission était de créer des infrastructures, que ce soit à Madagascar, que ce soit à Dakar, que ce soit à Ouagadougou, que ce soit à Libreville. J'ai vu à Libreville la cathédrale avec une grande plaque au nom de Monseigneur Lefebvre. Il a créé partout en Afrique des structures, des cathédrales, des séminaires. Il a fait germer une chrétienté, finalement. Et c'était un organisateur extrêmement avisé. Je crois que son succès est avant tout pastoral, ce qu'il faut bien comprendre. Or, pour lui, Vatican II, c'est une prise de tête d'intellectuels qui sont en train de lui casser la baraque. Je crois qu'on peut, résumer les choses aussi simplement que cela. Parce qu'au lieu, ces intellectuels, de contribuer au grand élan d'évangélisation, ils vont faire se poser des questions qui vont gripper la machine, en quelque sorte, qui vont stopper l'élan. Et finalement, si Mgr Lefebvre s'oppose au mouvement initié par Vatican II, c'est essentiellement parce qu'il s'oppose à cet intellectualisme antipastoral qui sévit chez un certain nombre d'experts théologiens qui ont la dragée haute dans cette affaire. Donc voilà un petit peu comment on peut le caractériser. Une deuxième caractéristique de Mgr Lefebvre, c'est que, il le disait souvent, on dit que j'ai changé, ce n'est pas moi qui ai changé, c'est eux. Alors, eux, je vous laisse préciser qui. Il voulait dire, au pire de ses rapports avec Rome, forcément le pape, les cardinaux qui l'entourent, etc. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a toujours été extrêmement net, extrêmement franc. Au Concile Vatican II, il a animé la minorité conciliaire, alors qu'il n'était pas cardinal, et qu'il n'est pas devenu cardinal, sans doute vraisemblablement d'ailleurs parce qu'il était considéré comme trop traditionnaliste. Il a animé donc le Cetus Internationalis Patrum, l'Assemblée internationale des pères, qui représentait les pères les plus conservateurs de tous les pays. Dans son propre ordre, l'ordre des Spiritains, il a voulu tout faire pour éviter la sécularisation des prêtres, la sécularisation des modes de vie, la sécularisation de l'habit religieux. Et il a préféré démissionner de cet ordre plutôt que de cautionner la grande assemblée qui allait procéder à l'adjournamento de son ordre. Et ensuite, il s'est lancé dans la création de la Fraternité Saint-Pilice en 1969 à l'instigation de quelques séminaristes du séminaire français de Rome qui, en 1969, considéraient que la messe traditionnelle devait être conservée et que le Concile Vatican II était ambigu sur plusieurs points. Voilà. Donc c'est à partir de là qu'il a fondé la Fraternité Saint-Pilice avec le même sens de l'organisation que l'on peut voir chez lui à cette occasion, une fraternité qui très vite devient une institution mondiale présente sur les 5 continents et qui, de ce fait, s'impose comme le principal obstacle à l'adjournamento.
Vous me demandez un panorama des différentes communautés traditionalistes. Je pense qu'il faut remonter un petit peu dans l'histoire pour comprendre les différentes initiatives traditionnalistes qui ont eu lieu depuis, eh bien depuis 1988. Parce qu'au fond, c'est le problème des sacres d'évêques par Mgr Lefebvre qui a été décisif. Que s'est-il passé ? Mgr Lefebvre a bravé assez tranquillement Rome et le monde entier. Il faut reconnaître une tranquillité d'esprit totale à cet égard. Mais il ne pouvait pas braver la mort indéfiniment. Et il vieillissait. Donc il décide de faire en sorte que d'autres évêques qu'il aura sacrés lui-même puissent continuer ce combat. Seulement, que signifiait le fait de sacrer des évêques sans l'accord du pape ? Ça faisait tellement longtemps que ça n'avait pas eu lieu que finalement personne ne savait très bien ce que ça pouvait signifier. Alors on a dit, ça signifie une excommunication. Mais qu'est-ce qu'une excommunication ? Est-ce que c'est un schisme ? C'est pas du tout évident. Une excommunication, c'est une punition, mais toutes les excommunications n'ont pas fait schisme. Est-ce que c'est un acte schismatique ? Mais pour qu'un acte soit vraiment schismatique, il faut que celui qui le pose refuse d'être membre de l'Église. Or, ce n'est pas du tout le cas. Donc, la question des sacres était une question très difficile et qui a divisé le public traditionnaliste, à mon avis, en multipliant les traditionalistes, ce qui est une très bonne chose. Car, au fond, on oublie trop souvent que le 30 juin 1988, date des sacres par Mgr Lefebvre, est aussi la date de la naissance de la fraternité Saint-Pierre, qui est cette espèce de jumeau hétérozygote de la fraternité Saint-Pédis. La fraternité Saint-Pierre a, avec beaucoup de courage, et contre vent et marée, contre beaucoup de membres de la hiérarchie catholique, en tout cas au début, voulu continuer le combat de Mgr Lefebvre à l'intérieur des structures juridiques de l'Église catholique. Et puis, après la fraternité Saint-Pierre, il y a eu l'Institut du Christ-Roi souverain-prêtre avec Mgr Vach, et il y a eu toutes sortes de petites communautés, soit religieuses, soit séculières, et qui ont été créées, je ne veux pas les énumérer pour ne vexer personne, et je ne citerai pas la mienne, l'Institut du Bon Pasteur, pour bien montrer que je ne cherche pas à attirer la couverture de quelque côté que ce soit. En tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une véritable galaxie traditionnaliste aujourd'hui. Et que toutes ces petites communautés ont été extrêmement fécondes en vocation. Parce que le drame de l'Église, en particulier en Europe, mais pas seulement, c'est quand même bien le problème des vocations, c'est le problème des prêtres, c'est le problème du célibat des prêtres, c'est le problème de la droiture du témoignage des prêtres. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il est certain que le libéralisme qui était dans l'air au moment du Concile Vatican II, cette espèce de laisser-faire, laisser-passer généralisé, a permis un certain nombre d'excès, mais aussi un certain nombre de crimes, puisque la pédophilie, à mon avis, fleurit à partir du moment où on est dans ce libéralisme-là. Je pense à l'abbé Bisset, qui disait « Mais enfin, je ne fais qu'épanouir les jeunes dans leur sexualité ». Bon, un argument archi-libéral pour justifier la pédophilie, digne des années 68, mais qui est monstrueux. Voilà, donc il faut, face à cette crise du sacerdoce, il faut des prêtres à nouveau. Il y a un certain nombre de diocèses, de séminaristes diocésains qui feront des prêtres sérieux, forts, etc. Mais l'Église est faible et le nombre de ces prêtres est faible. Et c'est, je crois, vraiment la première chose qu'a vu Rome de cette vue de haut qui est la sienne. Il faut faire des prêtres à tout prix, et si les traditionalistes font des prêtres, alors il faut que les traditionalistes soient régularisés et que les prêtres traditionalistes travaillent avec nous. Ensuite, on verra, peut-être à les assimiler, vous savez, Rome est un ventre, Rome assimile tout.
les choses se feront, il nous faut des prêtres et de bons prêtres, des prêtres solides. Voilà. Et je crois que c'est encore un enjeu aujourd'hui et que c'est la principale force des traditionalistes, c'est le nombre des prêtres et le nombre des jeunes prêtres qui ont le goût de la liturgie traditionnelle et qui, même dans le nouveau rite, restituent un certain nombre de choses anciennes. Les clochettes à la consécration, par exemple, l'offertoire en silence, etc., etc. Les cédévacantistes ont pour particularité d'abord de ne pas tous accepter ce nom de cédévacantistes. Il y a les cédévacantistes qui acceptent de considérer qu'effectivement leur position tient au fait que le siège est vacant, et d'autres qui considèrent que c'est plus compliqué que cela, et que malgré tout, le pape François reste l'homme désigné pour le siège, et par conséquent est en quelque sorte un pape implicite. Il y a un point fort du cédévacantisme, c'est qu'il n'hésite pas à poser le problème de l'autorité dans l'Église. Et que les cédévacantistes soulignent que dans l'ecclésiologie issue du Concile Vatican I, dans l'ecclésiologie dite infaillibiliste, le fait de ne pas être d'accord avec le pape pose un vrai problème. Alors si on considère que les raisons de ce désaccord sont des raisons contingentes, ou des raisons particulières de culture, de politique, de rite, on peut encore éventuellement gérer la crise. Mais si on considère que les raisons en jeu sont des raisons de continuité du magistère, et si on considère que le magistère ne peut pas dire le contraire de ce qu'il a dit, alors on arrive très vite à la position radicale qui est la position des cédévacantistes avec leur fameuse thèse. La thèse, enfin en particulier pour ceux qui ont la thèse, parce que tous ne l'ont pas, mais la fameuse thèse de Mgr Gérard Deslauriers, qui est donc la thèse de la distinction entre le pouvoir matérialitaire et le pouvoir formalitaire du pape. C'est extrêmement complexe. Ce que je crois, en tout cas, c'est qu'on ne peut pas subordonner sa foi et la profession de sa foi à une thèse, si intelligente, si percutante soit-elle. Ce que je crois aussi, c'est que le Christ n'abandonne pas son Église et que les cédévacantistes, dans leur ensemble, alors, ont rompu la tradition apostolique sans se donner les moyens de la rétablir. Parce qu'une chose est de dire que le pape n'est pas pape, et une autre chose de devoir constater, parce qu'on a dit que le pape n'était pas pape, qu'il n'y a plus de pape. Ça vous paraît la même chose, c'est pas du tout la même chose. Dire que le pape n'est pas pape, bon, c'est dire que peut-être il le redeviendra, ou peut-être il sera remplacé très vite. Dire qu'il n'y a plus de pape, c'est changer la nature de l'Église. Or, depuis 40 ans que sévit le cédévacantisme, je crois qu'on est obligé de considérer qu'ils en sont à dire que le pape n'est plus pape. Un certain nombre d'entre eux avaient dit « la thèse du père Gérard Deslauriers est valable pour 15 ans. Si au bout de 15 ans rien ne s'est passé, c'est que ce n'était pas la bonne thèse, c'est que ce n'était pas la bonne hypothèse. » Et je trouve finalement ces cédévacantistes-là extrêmement sagaces. Et ils ont été courageux parce qu'aujourd'hui, ils sont ce qu'on appelle des ralliés. Alors qu'ils étaient à l'extrême droite, ils sont revenus au centre droit de la galaxie traditionnelle. Et il me semble que c'est important que leur témoignage, peut-être, on peut le méditer et considérer qu'il fait école. La question se pose des rapports entre les traditionalistes et l'Église de Pierre fondée sur l'infaillibilité de Pierre telle qu'elle a été dogmatisée au Concile Vatican I en 1870. Et c'est vrai que très facilement, on a opposé d'un côté l'infaillibilité du pape
et de l'autre côté, ces trublions de traditionalistes qui voulaient revenir sur une réforme dans laquelle le pape, et je parle du pape Paul VI, s'était engagé on ne peut plus, la réforme liturgique. Et pourtant, il me semble que la conciliation est assez facile à faire. Le paradoxe, c'est que les traditionalistes sont, en général, des ultramontains de formation. Ils sont profondément papistes. Et ils sont papistes, et c'est au nom de leur fidélité au pape du passé qu'ils en viennent à s'opposer au pape présent. C'est un peu la tragédie, si vous voulez, du traditionalisme. Mais quand on regarde bien le Concile Vatican I et ce que c'est que l'infaillibilité pontificale, on doit distinguer la lettre du Concile Vatican I et l'esprit du Concile Vatican I. Et comme Benoît XVI le faisait à propos de l'esprit de Vatican II, il me semble qu'il faut condamner l'esprit de Vatican I et revenir à la lettre. Car que dit la lettre de Vatican I ? Elle dit que le pape est infaillible moyennant quatre conditions. Qu'il parle en tant que pape, dans une définition, avec une volonté d'obliger à croire en matière de foi ou de mœurs. Ces quatre caractéristiques sont rarement réunies. Et lorsqu'elles sont réunies, eh bien, on a le devoir d'adhérer à ce que dit le pape, en général, justement, pour dirimer un conflit, pour en finir avec un problème. Mais le pape a été infaillible une ou deux fois par siècle, à ce rythme-là. Donc, la théorie de l'infaillibilité du pape, loin d'étendre l'infaillibilité comme le pensaient les infaillibilistes, la restreint. Restreint le nombre des cas où elle est vraiment engagée. En revanche, pour tout le magistère ordinaire du pape, donc, il n'est pas soumis à cette infaillibilité et il peut donc être respectueusement contesté. C'est ce que nous constatons aujourd'hui à propos du synode sur l'accès des divorcés remariés à l'Eucharistie et en particulier, c'est ce que nous constatons à propos de la note de mi-parcours post-dicetationem, comme on a dit dans le jargon latin que parlent les membres du synode. Est-ce que vraiment cette note relève de l'infaillibilité pontificale ? Évidemment non, ce n'est pas le pape qui se prononce. Mais dans un esprit infaillibiliste, on peut dire que tout ce qui vient de Rome est infaillible. Et ce serait une erreur. Et je pense qu'avec le pape François, qui veut que les catholiques se parlent entre eux, qui veut réveiller ce public un peu stagnant, j'allais dire, eh bien, ce serait une mauvaise politique que de se mettre la tête sous l'aile et d'attendre que ça passe. Donc, je parle du pape François parce qu'au fond, le problème des traditionnalistes sous le pape François est le même que sous le pape Paul VI, voire que sous le pape Pie XI, voire que sous le pape Léon XIII, etc. etc. Il y a toujours eu, chez ces traditionnalistes férus de l'autorité du pape, une critique de certaines interventions, ou politiques, ou religieuses au sens le plus large, des papes. Et finalement, c'est dans la mesure où ils reconnaissent la plénitude de son autorité, et qu'ils n'admettent pas toujours et en tout ce qu'il peut déclarer. Les 8 ans du pontificat de Benoît XVI ont une importance capitale pour l'avenir de l'Église. On peut dire qu'ils ont permis de mettre au clair tous les ferments que contenait le pontificat de Jean-Paul II. Et en particulier, le but de Benoît XVI, des Gloria Olivae dans la liste des devises latines de Malachie, la gloire de l'olivier, c'est de faire la paix entre les catholiques. Le pontificat de Benoît XVI est le pontificat d'un homme qui est à la fois plus ouvert que certains progressistes et qui est ouvert aussi
aux traditionalistes parce qu'il a conscience de l'importance de toutes les manifestations authentiques de la foi aujourd'hui et que toutes ces manifestations authentiques de la foi doivent se trouver exprimées dans l'Église. Alors il va très loin dans le dialogue avec les traditionalistes et au fond il accepte les deux conditions qui lui avait été posé par Mgr Fellé, supérieur de la Fraternité Saint-Pie-X, qui avait été posé au futur pape avant son élection. Deux conditions qui étaient la permission pour tout prêtre de célébrer la messe traditionnelle et la levée des excommunications. C'est Mgr Fellé qui a formulé ces deux conditions. C'est le pape Benoît XVI qui, vraiment, avec beaucoup de courage, a accepté ces deux conditions. Et donc, aujourd'hui, il y a et le document de 2007, du 7 juillet 2007, Summorum Pontificum, à travers lequel donc tout prêtre a le droit de célébrer la messe traditionnelle, quelles que soient les tentatives d'interdiction qui avaient précédé sous Paul VI, par exemple. Et les quatre évêques sacrés par Mgr Lefebvre en 1988... ont été désexcommuniés. Les excommunications étaient levées. L'aspect de sanction a disparu, ce qui est énorme. Et ces excommunications sont toujours levées. Alors, la Fraternité Saint-Pie-X n'a pas voulu reconnaître le caractère extraordinaire de cette condescendance du pape à son égard, et elle est restée pour l'instant sur la réserve, j'allais dire sur son Aventin. L'avenir dira si c'est la bonne solution. En tout cas, il est clair que toutes les conditions sont réunies pour que la Fraternité Saint-Pie-X soit réintégrée dans les structures visibles de l'Église. C'est très clair. Mais Benoît XVI a vraiment abordé toutes les questions puisqu'il a aussi voulu aborder de front le problème du Concile Vatican II. Et il a proposé un critérium de lecture en opposant deux herméneutiques, deux interprétations du Concile. L'interprétation dite de rupture entre le Concile et le reste de l'histoire de l'Église, et l'interprétation dite de continuité entre le Concile et le reste de l'histoire de l'Église. Et évidemment, il a écarté l'herméneutique de rupture pour souligner que seule l'herméneutique de continuité était valable. C'est une position possible, en tout cas qui permet à chacun de se retrouver aujourd'hui dans le texte de Vatican II sous la bannière de la tradition, parce que la continuité et la tradition, c'est la même chose. Le pape François est évidemment un pape surprenant. Et je dirais, cette surprise qu'il cause, elle est en quelque sorte dans son ADN spirituel. C'est un jésuite, c'est le premier jésuite à arriver au souverain pontificat. Jusqu'à présent, on a toujours évité d'élire un jésuite. Pourquoi ? Parce que la formation fondamentale des jésuites, c'est une formation personnelle. Il s'agit de créer dans chacun des disciples de saint Ignace de Loyola une force de caractère, un tempérament, une approche théologique qui, le plus souvent, est absolument propre à cette personne. Et c'est d'ailleurs pour cela que les jésuites ont tellement insisté sur l'obéissance. C'est toujours une question de balancier, si vous voulez. Pourquoi est-ce que l'obéissance est si importante chez les jésuites ? Parce que les jésuites ont tous des électrons libres. Et que si l'obéissance ne les réunit pas, alors ces électrons libres n'ont plus de sens. Donc, l'insistance des jésuites sur l'obéissance, périndé à cadavère, comme un cadavre, qui est d'ailleurs une mauvaise image, parce que le cadavre n'obéit pas beaucoup,
Donc l'insistance des jésuites sur l'obéissance n'a d'égal que leur culte de la liberté. Culte qu'on retrouve d'ailleurs dans les grands débats sur la liberté et la grâce au XVIIe et XVIIIe siècle, les jésuites combattant toutes les formes d'augustinisme. Les jésuites donc sont des hommes libres. On a mis un homme libre, on a mis un électron libre à la tête d'1,2 milliard de catholiques. Et ça peut surprendre. Alors vous avez l'histoire des lapins, vous avez l'histoire de l'attitude du pape par rapport aux homosexuels, qui suis-je pour juger. Vous avez ces petites phrases dans lesquelles le pape est passé maître, qui lui évitent de dogmatiser. Il, pour l'instant, il n'a fait aucun texte qui pèse vraiment quelque chose, mais qui permet, ce qu'il veut, c'est faire évoluer un état d'esprit. Et l'avenir dira ce qu'il aura réussi à faire. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que, alors que les catholiques sont de plus en plus nombreux à être méfiants, je pense aux 15 maladies de la curie que le pape a énumérées, non pas en particulier dans une réunion privée, mais devant les caméras du monde entier. Donc ça crée évidemment une forme de méfiance. Et en même temps, le public le plus large est conquis par la dimension évangélique de ce pape. Je crois vraiment que ce qui peut séduire aujourd'hui, c'est l'évidence chrétienne, c'est l'évidence évangélique. Il faut revenir à ces fondamentaux de l'évangile si on veut convertir, si on veut que le christianisme soit à nouveau pleinement diffusé. Donc il y a certainement quelque chose de providentiel dans cet évangélisme du pape François, mais il faut reconnaître aussi que il n'est pas forcément facile à supporter pour, j'allais dire, les gens de l'intérieur. Il ne faudrait pas qu'il y ait une trop grande tension entre sa popularité extérieure et ses difficultés à l'intérieur.